Si est-il la naissance que tout le monde attend. Dans les tout prochains jours, Meghan Markle et le prince Harry deviendront en effet parents pour la toute première fois. Et alors que le Royal Baby se fait attendre, la famille royale britannique se prépare, déjà, à célébrer son baptême. Selon toute vraisemblance, les jeunes parents devraient choisir la chapelle Saint-Georges, où ils se sont mariés le 19 mai 2018, pour ce jour important. Tout comme la grossesse de Meghan Markle, le baptême du futur Royal Baby devrait avoir un coût. Impressionnant. Comme vous pouvez le lire dans le magazine Closer, en kiosque vendredi 3 mai, la cérémonie ne pourra pas se faire sans la traditionnelle lilifond. Cette coupe de baptême, qui sera remplie d'eau modique, coûterait selon les experts la modique somme de 12 000 euros en location puisqu'elle n'appartient pas à la reine Elisabeth II. Présent dans la famille royale depuis 1840, le lilifond est doré à l'argent et décoré de lys, de lierre et de chérubins. Depuis ce jour, tous les enfants ont été baptisés avec ce verre dont les princes Harry et William mais aussi George, Charlotte et Louis. Quant à la tenue du bébé de Meghan Markle et du prince Harry, il devrait être habillé de la traditionnelle robe de la famille royale britannique, une réplique de la tenue de satin de la fille aînée de la reine Victoria. Après plusieurs fausses alertes sur l'accouchement de la duchesse de Sussex, Kensington Palace a confirmé que les médias seront alertés dès le début de son travail. I think you gotta let me know. Sit down, sit down.